Là, tout droit. Non, tout droit. Ça va encore, mais. Sauf qu'il y a une map quand même, ça j'étais abusé. Il y a une map à acheter pour 5 dinosaures en plus. Spécial à cette carte là, la carte coûte 20€ quoi. Ah la vache. Ah ouais, mais il y a même pas de grenouille quoi pour un passage aussi pareil. Ah, puis je vais jamais m'en souvenir de ce passage. Ouais. Passage aussi pareil, c'est clair que. C'est. Help! What's happened? Did he wake the Valor? Oh, j'en viens, mon chien. I think he died. Grrr. Oh maman, si tu savais tout le mal que tu nous fais. Quelle larme. Finally. Allez, bonne chance, merci. Oh, Miss, t'inquiète. Bon, ça va, les monstres ils sont pas de ouf. Mais ça. Non, ils sont pas de ouf. Ils sont pas de ça. Ouf, mais ils sont chiants. La vulve Ishabo. Ok, j'ai craqué du bouquin. Sinon, si haut, on a pensé quoi de Uncharted 4 sur. C'est un très bon film. J'ai pas trouvé le gameplay, mais sinon, j'ai passé un bon moment, c'était un très bon film. Moi j'avais joué qu'au 3 et au Golden Abyss avant, et après j'ai racheté le Nathan Drake Collection. Effectivement, c'est même le moins bon, je pense. Bah, j'ai pas joué au précédent. J'ai pas joué au précédent. C'est une putain de claque graphique, mais t'as plus de gueule. Oui, il est superbe. Ah ouais, même les scènes et tout, au niveau scénario, au niveau film et tout, c'est un super film de cinéma quoi. Mais au niveau gameplay, il y avait plus de gameplay dans Heavy Rain que dans Uncharted. Un bâtard. Je te jure, je l'ai cherché. Mais j'ai passé un très bon moment dessus. Fais gaffe parce que il y a un moment, t'as un gameplay là, quand tu fais les voitures de. Ah mais voilà, non, mais c'est ça. Au moins t'as quelque chose. Là sur Uncharted, t'as rien. T'as vraiment rien. Bon bah franchement, si c'était cool, franchement, je te conseille. Quand les autres, le 1 était excellent, le 2, bah, c'est le meilleur, franchement. Le 3 est vraiment bien, et puis j'avais fait aussi celui qui était sur PS Vita. Pour un jeu PS Vita, il était vraiment cool. Quand il sort de l'eau, tu peux plus l'attaquer au corps à corps. Mais là, il est sorti de l'eau. Ah, tu veux dire qu'il va se transformer ou digivolver? Ouais. Et quand tu reviens dans l'eau, c'est que tu es presque mort. D'accord. Ok. Merci. Il a Xbox One pour venir dans le chat. Oui, t'as pas l'Xbox One, notre rat, pour venir dans le chat, qu'on te remercie déjà pour tout le bien que tu nous as fait. Non, parce qu'en fait, on dirait que on dirait un dialogue en morse. C'est pas facile parce qu'on dit on se parle avec 20 000. Tu sais, c'est comme si on discutait de la Terre à 3 fois. Non, mais c'est. Tu sais, c'est comme quand on était à l'école, tu sais, tu prends une feuille de papier, tu écris la question, tu mets en boule, tu jettes la boule. Ah, t'imagines, il m'envoie une question, il y a 20 secondes de décalage. Je lis la question, je lui réponds, il y a 20 secondes de décalage. Il répond, il y a 20 secondes de. On a 40 secondes de décalage à chaque fois qu'on se parle. Ouais, donc bah c'est. T'attends de moi, quoi. Voilà. Sinon, en parlant de jeu que tu en avais quoi pensé, t'avais pensé quoi de Life is Strange? Ah, c'était. Je l'avais érigé au rang de mon meilleur jeu bon de 2015. Film. Non, mais vraiment, mon meilleur jeu de 2015. C'était vraiment ma surprise, ma claque. Je pense que moi aussi, franchement, il est juste excellent. Quoi. Je l'ai tellement surkiffé, sa maman. Mais de très très loin. Ouais, non, je l'ai fait en plus. Pendant un week-end, j'étais pas chez moi, donc j'étais chez mon père. Puis là, je reviens pendant un week-end, ça m'avait juste tellement manqué. Je m'attendais pas du tout à prendre un tel pied dessus, en fait. Que ce soit au niveau de la musique, du scénar, des choix, c'était vraiment, j'étais à fond dedans. Puis, franchement, au niveau graphiquement, au niveau des dessins. Ouais, il est très chouette. Superbe. Ouais, il est très très chouette. Il est très 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 chouette. C'est l'un des meilleurs jeux, je trouve. Ils ont signé un truc de dingue. Ils ont vraiment signé un truc de dingue.
Mais de ce que j'ai vu, est-ce qu'il paraît ils veulent en faire un 2? Mais ils voulaient faire un 2 ou un espèce de spin-off en fait, mais je sais pas ce que ça devient. Bah, ce qui paraît, c'est le projet toujours en cours, de ce que j'ai compris, le 2 va sûrement en venir. Mais le 2, quand. En tout cas, j'espère que. Enfin, si ça sera le 2, ça dépend. S'ils veulent faire une suite, faudra qu'ils se battent sur la seconde, enfin, sur la fin, ou est-ce qu'on sauve Chloé, quoi. Ouais, oui, tout à fait. Ou refaire la dernière mission, puis que ça fasse deux jeux différents. Bon, j'imagine que là, pendant le bouclier, je peux rien faire. Où il arrive à prendre un type d'attaque. Ah, c'est bon, t'es arrivé au boss, Psyo ? Ouais, ça y est. Mais voilà. Attends, je vais venir voir ça. Tu sais, c'est toujours pareil, les boss c'est un peu compliqué stratégiquement. La première fois, c'est plus une phase de test qu'autre chose. Corps à corps. En plus quand tu vois la tronche qu'il a, enfin, vraiment. Glanced. Bah alors, qu'est-ce qui t'arrive? Wouh, critique à 1400. Allez, vas-y. Bon, il dure longtemps son bouclier là. Il a son bouclier, tu restes en vie? Ouais, bah je fais au mieux. Pour l'instant, ça a pas envie. Ouah, le miss! Et c'est beau. Il y a quand même un bouclier qui cache que le haut du corps, mais alors le bas du corps. Ouais, mais faut pas chercher la logique dans les RPG. De toute façon, quand tu vois un lapin qui heal, qui est sur deux pattes, c'est clair. Mieux pas chercher la logique. Avec une sorte de cloche. Bon, voilà. Ouais. Ah ouais, mais ça okay, rentre. Ah merde, elle est morte carrément. Oula, qu'est-ce qu'il a fait? Il est mort 3 fois avant de se relever? Ah! Il se relève. Oh, t'es sérieux, notre rat? Oh là là. Non. Ouais. D'accord, Miss, super. Eh les gars, j'arrive. Ouais, en fait, il va me falloir masse élixir plus. Si je veux avoir une chance. Oh, les salauds. Oh! C'est chaud.
c'est chaud ça daronne. Ça runda. Oh, oh c'est chaud ça daronne. Ouais. Alors là, je suis matinal, mais là, j'ai mal. Je comprends que dalle. Ah non, mais non, non, mais les, non, mais hey, trop. Trop rapidement. J'ai le temps de rien là. Que putain, comme un oh là 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 là. Oh, la vie, ok, je comprends mieux. Ouf. No, we just go to fire it up. Brap, si pat 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 prit. Une fois que les mobs sont partis, tu dois mettre ta vie à fond. Nice. Ah oui, parce qu'il est hors dehors de l'eau, donc c'est à distance, c'est ça. Totale corruption! Ok, d'accord, ok. J'avais pas vu ça comme ça. Heureux. Heureux. Oh là là, pas eux. Ah oui, donc il était au-dessus de l'eau et là il est. Pourquoi il fait des coucous? Mais pour te dire bonjour. C'était un bug ou c'était une attaque du boss? Non, c'est pas une attaque, ça a fait spawner un monstre. Ouais, 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 ils summonent des monstres, et c'est l'horreur ça quand ils font ça, les ennemis. Ah, t'as le monolithe là? Non, 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 c'est un autre. Waouh, non, pas cette, non, 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 je suis pas équipé. En marque, si, 7, c'est pas mal. Vas-y, 7. Je suis un fou. 7 monstres. Oh, glance aide, mais glance pas. Oh, damn. Oui, 10 000. 2000, pas 10 000, 2000. 10 000. J'aimerais bien. Pourquoi il m'a mis physique à l'immune, mais en quoi ça va l'avantager?
Oh, j'ai pas assez de dégâts, quoi. C'est violent. Ouya! Tu vois qu'il est facile, mouais! Pas convaincu? Et c'est vrai! Aïe, la vache! Oh, il a midlife! Ouais, mais tu sais, souvent ce genre de boss, c'est midlife, ils ont l'ultra attaque de la mort qui swing. Bah, comme dans tous les MMO, quoi. C'est l'idée, ouais. Sauf que c'est RPG, ça, non? Quoi? T'as 800, j'ai jusque 800! Je fais quoi avec 800? Sérieux? Achète-toi des points d'attaque! Tu sais que j'ai déjà mis les 11h d'hier sur YouTube, j'ai déjà préparé le best-of, j'ai déjà découpé du best-of. Oh ce putain. Ça me nerve de la vie. Ouais mais bon, je connais tes découpes, ouais bon, je sais. Ah non, j'ai bien découpé. C'est assez bien découpé. Déjà, ça fait ça rapide, dans le cas. Oh, c'est la hache, c'est la serbe. Ah ouais. C'est pas à la serpe, c'est à la serbe. Oh non, il réflexionne son chine. Oh le bourricot. Ah merde non! Ah oui, si, je peux faire le punch. Je sais pas si tu sais. Oui, s'il y a un des deux qui meurt, la super paire. Ouais, je sais. Ça fait vraiment bizarre, le ah merde non, par contre, il va se replacer. Critique à 2006, enfin, la vache! J'aurais dû l'attendre! Quoi? Je me suis trompé dans la potion. Ah, le trou de ballon. Comment j'ai fait pour me tromper dans la potion, bordel? Oh putain. Je
Ah merde. Oh putain, elle avait un saignement de dingue. Ah oui, c'est vrai, putain. Quelle trop de balle. Oh. Tu tombes à pic, putain. Eh, hey, tu sais que j'ai des anglais sur les... en commentaire de mes vidéos sur YouTube. Xavier, t'es là? Ouais, je suis là. J'ai des anglais en commentaire de vidéos. Comment t'as fait pour battre ce boss? C'est quoi tes stats? Comment t'as fait pour faire ça? Tu sais, apparemment ils regardent de let's play en... Il doit pas y avoir beaucoup de monde qui font de let's play sur ce jeu. Du coup, ils doivent chercher des infos, comment passer certains trucs. You can use the Dekivore and you will win. But sometimes, you lose. Oh non! Ah oui, j'ai oublié de te dire un truc important, Xavier. Que j'ai l'impression, faudrait que tu testes de ton côté, mais j'ai l'impression. Par exemple, si avec Hive tu mets un Fire Trap Drop, un Fire Trap. Ouais. Il se déclenche pas. Mais. Non. Si tu tires avec Amon du même élémentaire une Fire Boulette, le Fire Trap Drop se déclenche automatiquement. Tinka ? Essaye. J'ai l'impression que le Fire Trap se déclenche s'il subit une attaque élémentaire du même type d'attaque élémentaire. Donc en fait, t'as plus besoin d'utiliser le de mes deux paires, mais là, c'est comme ça. Non, mais pas en spécial, mais en normal. Putain! Ça me rend cher, toi, tu... Okay. Oh là là, bon. Ah oui, dis, c'est vrai que tu l'as bien entamé le boss. Je l'ai pas mal entamé là, ouais, mais ça commence à stresser là parce qu'il y en a beaucoup au sol là. Saloperie. Il récupère, oh la vache. Oh merde. Aussi vite. Pourquoi il a fait aussi vite l'attaque? Il n'y a même pas un tour. Je pensais qu'il faisait au moins un tour. Il attendait un tour, ce con. Ah non, je peux me voir ça, dis, c'est horrible. Ah, tu dis ça d'une froideur extrême, quoi.
Genre, bien fait pour ta gueule. Ouais, je confirme, ça se... Il se déclenche. Ah, ça se déclenche, donc ok, donc c'est bon à savoir. In your face. Ouais, c'est ça, c'est à peu près ça. Pouf le dit. Je suis plus avec vous le chat, je suis plus du tout en mode commentary pour entretenir la vidéo, je suis tout seul dans mon coin là, j'ai éteint la lumière, il y a que moi et le jeu. On est habitué, et sinon quand t'as une bonne collection, ça te prend combien de temps toi pour mettre un épisode? Parce que quand je vois que t'en mets au moins 10 en 10 minutes quoi. Ça va super vite en fait, parce que tu sais, je stream sur Twitch. Ouais, donc... Et en gros, je vais sur ma chaîne Twitch, je vais sur le dernier stream et je fais de 2 minutes 30 à 1h20, tu vas sur YouTube. De 1h20 à 2h40, tu vas sur YouTube. C'est tout. C'est Twitch qui envoie ça à YouTube. J'ai plus besoin de mon Avermedia. J'ai plus besoin de mon Avermedia. Avant, t'imagines, avant, j'enregistrais. Avec l'Avermedia. J'enregistrais avec mon Avermedia. À côté, j'enregistrais l'audio avec mon PC. Ensuite, je prenais de l'Avermedia sur ma table de mixage, que je transférais l'audio, je calais l'audio avec l'enregistrement de l'Avermedia, j'encodais le tout, qui prenait facile une demi-heure, et après je uploadais le tout sur YouTube. Et là, en fait, j'ai gagné minimum 4 heures par vidéo, quoi. Au moins c'est plus facile. Oh, plus rapide, c'est plus tellement facile, plus facile maintenant. Plus rapidement. Ouais, ah non, mais c'est devenu tellement simple maintenant de faire des vidéos, de les mettre sur YouTube. C'est assez incroyable. C'est génial, c'est génial. C'est vraiment génial, c'est tout le monde peut faire des vidéos quoi. Diablo X9 avait dit il y a très très longtemps, peut-être en 2009 déjà, le jour où tout le monde pourra faire des vidéos, il n'y aura plus personne pour les regarder. Et c'est vrai, hein, c'est de plus en plus difficile de faire des communautés en fait. C'est très dur de percer maintenant. Salut Raza. Bah surtout quand tu débutes t'es dans Trial, donc du coup en plus choisir. Et même avant Trial, hein. Avant Trial j'étais un super player, tu sais, je faisais du Tintin au Tibet sans me faire toucher, des trucs comme ça, j'étais surtout connu pour ça au tout début. Et après j'ai pris ma retraite. Il y a du grenier qui a marché alors que lui avait un moins bon niveau. Ouais mais lui c'est sur le Hungry Video Gamer, c'est vraiment une autre... Ah puis même moi j'aime bien, c'est sympa. Ah oui j'adore, je suis très très fan du joueur du grenier, très très fan. Sérieux, tu veux pas faire plus de dégâts? Ils sont où ton maximage de critique, bordel de merde? Ah, Xavier, stratégie de Lander. De quoi? La stratégie de avec la furie, avec le lapin, je fais pas le heal plus. Sauf si j'ai vraiment besoin de beaucoup healer. Je fais le regen qui prend qu'un seul carreau. Et ouais. Je le laisse en furie. Je fais pas la furie avec l'autre. Donc lui, je le laisse en furie. Ouais. S'il a pas besoin de régénérer les vies, je le fais reposer. Comme ça, il garde sa furie. Comme ça, dès que j'ai besoin de me faire un regen en furie, bah, je peux le lancer le regen en furie en fait. Tu vois le truc? Tu vois le truc? Non, t'as pas vu le truc? Si, c'est bon, mais en fait, c'est juste que c'est quelque chose que je peux faire. Ah bon?
Oui, 2007. Putain. Oui, Raza. Pape, si t'es pas un peu stressé là, vu la vie qui lui reste. Tu peux pas savoir, j'ai les mains qui transpirent, j'arrête pas de me les essuyer sur mon jean. J'ai le cœur qui bat, c'est super tendax. T'inquiète pas, si je peux imaginer quand tu joues à Dark Souls 3, c'est bien. Mais il est dur hein, ce jeu. Putain qu'il est dur, il est magnifique, mais qu'est-ce qu'il est difficile. Oh, moi, Dark Souls 3, par contre. Oui, critique! Non, Raza! Ne jamais dire qu'on est large dans un boss sur Earthlock. Jamais! Never! Never! Glanced. Oh la vie qui lui reste. On voit à peine le rouge. Musical Antimer. Oui, oui, je fonds. Oh mon dieu, je fonds. Ah, je fonds. Ah. Tu l'as battu? Oh, regarde ça. Ah, oh, c'est beau, chat. Ouh. Oh la vache. Ah, mais dis pas que t'as une deuxième fois. Eh bah, bien joué, écoute, super bien joué. Oh la vache. Ah, mes jambes. We did. Je t'applaudis même. Wouh. Moi aussi. Même avec les pieds. Non, ça c'est compliqué. Ah non, non, attends, y'a un truc à la Tomb Raider où tout explose, il faut courir. Oh, j'ai le cœur qui bat, j'en reviens pas de cette zone. Eh, en tout cas. Un infini merci à toi, notre rat. Tu m'as enlevé peut-être 4 à 5 heures de jeu. Juste avec tes explications. Et au moins 2 heures. Tu as multiplié puis que tu as oublié d'éteindre ta console. Et au moins 2 heures facile dans la dernière zone du boss parce que soit j'aurais rage quit. Soit j'aurais perdu à essayer de comprendre comment passer. Un grand, grand, grand merci à toi, Notrat. Loué soit le saint Notrat. Une nouvelle religion, le Notrat. Le Notrat, ouais. Priez le Notrat. Not long ago, this remarkable stranger did know each other we are, and they have just become legendary themselves. They have bridged the gap between the whole legend and our modern world in our present stand brain. Valvure, j'y arrive pas, c'est Valvure. Believe to have been mere fable to the big written before the world. Bilolo, t'es là? Non, Bilolo, il a quitté le groupe. Fable no more, reels as our own flesh, yet still legends, what mysteries we can learn for such a handsome well being who walked Umbra over 2000 cycles ago, only time will tell. Ah, mon dieu. Et blabla, et j'ai blabla, et merci blabla, et blabla. My friend, how can Sevier or perhaps even Umbra itself
tous au bordel, c'est un bordel. Oh là. You stop the infiltrator Ichabo locked in the summoning and obtaining the power for the Great Valor from the what little we know, the devastating consequence will have been severed. Suvia will fall, army will rise, but Ichabo is the Great Valor will have crushed us. J'arrive mieux à lire avec un accent serbe qu'en anglais. You adverted a catastrophe when you Russians are in debt. Ouais, mais en tout cas, l'important c'est de comprendre. Voilà. Pat, all the sequel you have stool silent on your podium in the archive. Et il te manque le tchevapi dans la bouche pour parler ferme. C'est ça. Now you come to life, a relic of the old world before the deadly halt. I am glad you are part of this gang. Brap, brap, dop, dop. Et on n'aura pas vu de Pat 2.0. Ivory Lavender, I have always had a good eye on you, young lady. D'accord. Ah, c'est son père. General Brown. There you are. C'est maintenant que tu m'as retrouvé. Oh putain, j'ai sauvé la planète, tu te retrouves maintenant. Flying off, defying my order, crashing. You have some explaining to do, young ladies. Oh, shut up, dad. Oh, okay. What did you say? General Brown, put the fire out and... breath, my good man. If it were me, you wouldn't be general of the Great Wave anymore. So just calm it and stop running the moment. My moment. Well. She's right, Brad. Bla 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 bla. Et re bla bla bla. You're cool, Lumia. I like you. Ok. Ah putain, il va nous parler à tout le monde un par un. Brap, brap. Les dialogues sont plus longs que le jeu, quoi. C'est clair. Lumia from earlier. You two got something going. No idea what you're on about. Fine. You can tell me some other time. Hey, if you're not keen to know how your father will react to all of this, you can join me. We'll head out into the wild, search for treasure, anything we want. Brap, brap. I have no faintest idea what you say, Pat. Drop, imprison, brap, pat, pat. Woof? Woof, yes. You probably understand him better than me, Taika. J'ai presque fini, j'arrive. J'ai presque fini, tu me laisses 10 minutes. Oui. Je sais pas, non, pas besoin de la pompe, j'ai ma bouche. Tu veux gonfler la balle? Le lit bleu? Il se gonfle pas. Attends, j'ai presque fini mon cœur, j'arrive, je suis à toi. We did it. We stopped the madman, Ichabo Locke, and the Nanak Order, the final order in that magnificent but terrifying place required its own book. I suspect it will be. T'as pour le faire avec la voix proche du micro, ça. I suspect it will be my next project.
endless new adventures beckon. Listen to me. Adventures. As much as relaxing with a book, my candlelight is still my favorite pastime. I have to say that traveling and exploring now come second. We were celebrated as heroes back at the whole tide. I noticed Ive was mighty proud, although she tried to hide it. Even Olya pulled a faint little smile. She wouldn't admit it, Duff, but I think she felt good. No surprise, I love celebration, no matter what. Yet the fondest bit of the return into the nest was to find a letter from Laura. Now that Lady Lumia has granted me freedom from my duty as a Howlet and I am free to return the Lango, I am unsure what to do. My newfound friend here and the marvel of the Plumpet Island are returned to my love back home. I must decide soon. Merci pour le follow, Fonzi. Tu étais bloqué? Bah, tu pourras regarder la rediff, tu comprendras. Non, c'est juste que c'était un passage extrêmement compliqué et sans l'aide, j'aurais pas su le passer avant au moins deux bonnes heures avant de le comprendre. Fini, Xavier! Ils avaient raison, 30 heures de durée de vie. Ouais, mais sans l'aide extérieure. Ah oui, sans doute. En gros, t'es toujours à Underwater Station? Là, je suis en train de bouger le train là avec des rails. T'as vu, j'ai trouvé le level design vachement intéressant. En gros, t'as l'Underwater Station, ensuite t'as le boss, tu sais, dans la tour là qu'on n'a pas réussi à battre, qui est une formalité. J'ai pas vu celui-là encore. Mais si, tu te rappelles, t'étais bloqué, tu cherchais les lifts à traverser des flammes à un moment. Et je t'ai dit, surtout fais pas le boss parce qu'il est trop dur le boss. Ouais, voilà. Bien. Bah, il reste lui comme boss. Oui, je l'ai fait. Il reste lui comme boss. Derrière la tour, t'as un boss optionnel. Attends, mon cœur. Mais t'as intérêt à avoir toutes les cartes, en fait, des masters pour le battre. Des masters, ah oui. Mais tu l'as fait avec tes masters, toi? Avec tes cartes masters? Ouais, j'étais obligé. Parce qu'en fait, il fait une putain d'attaque glace, une putain d'attaque feu, une putain d'attaque électrique. Qui te one-shot presque. Et en gros, grâce aux cartes, il te 3 quarts shot. Donc tu peux remonter tes vies. Et après, c'est la dernière zone avec le dernier donjon en fait. Donc t'es vraiment pas loin de la fin en fait. Enfin, pas loin de la fin. J'ai encore un élément à faire là. Bah, il est dans la tour. Enfin, pas un élément, mais un. J'ai un matériau encore à aller chercher. Là, c'est que le troisième matériau là que je vais faire. Oui, et bah dans la tour, c'est le quatrième matériau dans la tour. Et comme t'as déjà fait le donjon, il restera plus que le boss à battre en fait. Et c'est le boss là qui fait les plus un putain de zone. Non. C'est pas lui, c'en est un autre. C'en est un autre. Et pareil, j'ai fait l'arène aussi en gold. La deuxième arène. Quasiment sans difficulté. En gold? Ouais, quasiment sans difficulté. Bah en fait, franchement, tu vas voir avec le train, avec le and come back again, ça te change la stratégie des combats, tu sais, voilà. Ça te change totalement la stratégie des combats, le and come back again. Tu meurs, tu revis tout de suite, et tu te recharges tes vies. Donc voilà, c'est comme si t'avais... C'est beaucoup, ça aide beaucoup. Et aussi, le double miss. Si tu misses, tu fais 2 tours. Faut l'installer obligatoirement aussi. En tout cas, vous êtes 16 sur le chat pour cette fin de Earthslug, The Festival of Magic. Je le répète, je l'ai dû le dire en 30 heures de live. Plus de 45 fois, c'est un des meilleurs RPG old school de ces 10 dernières années. Il est gratuit sur Xbox One. Foncez, bordel de merde. Pour les gold. Il sera sur Steam le 27 septembre, si j'ai bien compris. Il sera même peut-être en français pour la sortie sur Steam. Sur Steam. Regarde, c'est les... Tiens, tu veux dire au revoir comme la dernière fois? Au revoir. Merci d'avoir... Au revoir. Merci d'avoir suivi. Mais... Attends, c'est un peu compliqué pour elle, là. Ah ah, putain, la première fois! Cannibal! Waouh!
c'est qu'une minute. Alors tu dis au revoir. Quoi? Au revoir. Et à bientôt pour de nouvelles. C'est vrai. C'est qui rigole? Et qui est votre ami? Oui. Qui chire du? Qui chire du? Clip. Qui? T'as pas honte de dire ça, faire dire ça à ta fille? T'as pas honte de faire dire ça à ta fille? Première fois qu'il. Première fois qu'elle dit tonton Xavier. Hein. Ouais, c'est la première fois. Oui. D'habitude, elle se cache derrière. En mètre de béton. Ouais, parce que là, je pense qu'elle t'entend dans le casque en fait et t'es pas devant elle. Oh, j'arrive, mon cœur. J'ai presque fini. Regarde, c'est les lettres de fin et j'arrive. Eh ben vous savez quoi, je laisse le générique en entier parce que ce jeu le mérite tellement, même si je sais que personne ne le regardera sur YouTube le générique en entier. C'est mon stream le plus long d'ailleurs. C'est la première fois que j'ai streamé un jeu de 30 heures. Un peu plus de 30 heures. Ah ouais? Tu disais mais quoi? Mais si les Sherlock qui sont... Sherlock, 10 heures. Entre 8 et 10 heures. 10 heures? 10 heures? Ouais. Attends, le premier truc, il a fait combien de temps? Non, on a fait au moins 6 heures déjà sur le premier et on l'a pas fini. Tu veux dire le premier Sherlock ou le dernier Sherlock? Enfin, le dernier Sherlock, là, la première session, on a fait 6-7 heures, il me semble. 6 heures, on a fait. Papa, on fait les bleus. Oui, mon cœur. J'arrive, mon cœur. C'est la fin d'une aventure. C'est la fin. J'aimerais vraiment qu'ils fassent un Earthlock 2. Tu sais qu'ils m'ont répondu? Oui, ouais. Je les ai tweetés sur Twitter. Un énorme merci pour cette masterpiece de RPG old school. Et ils ont répondu, ils ont dit oh, on est très content que tu aies apprécié. Oh, t'inquiète pas, c'est le service. Oui, c'est le CM, c'est le community manager. Ouais. Ouais. Mais c'est cool. Non, par contre, là où je suis très content, c'est vraiment les développeurs de Sherlock Holmes qui m'ont répondu en privé par mail. Donc là, c'est vraiment un des développeurs quoi, qui a répondu. Mais par contre, là où t'es un peu moins content, c'est que même le mec, il sait pas. Ouais, même le mec, ouais, c'est clair. Il sait pas quand est-ce que sort le truc d'armée. Le mec, il sait pas quand son jeu sort aux États-Unis. Ok. Hey, mais ils sont combien là? Je croyais que c'était un studio indépendant sur Kickstarter, ils sont au moins 18 000 là. Ils sont des millions. Ah, ça change de No Man's Sky, hein. Un jeu bien fait, fait avec amour, bien travaillé, stratégiquement hyper intéressant, des musiques à tomber par terre, un level design magnifique, un game design extrêmement bien calibré entre difficulté et serrage de fesses, du contenu, de la profondeur. Voilà, gratuit. Des images qui donnent envie. Gratuit. Jeu, il faut effectivement pourri. Hein. Et No Man's Sky, c'est 60 boules. Il y a 5 heures où tu te fais plaisir et tout le reste, tu te rends compte que c'est de la merde. Thank you for playing. Mouah. Mouah. On vous fait des bisous. Mouah. Merci pour cette masterpiece. C'est vrai que No Man's Sky, à la fin, c'est répétitif et c'est très mou. Je suis très très content. Bon, sur ce, je vous laisse. Xavier, je me prépare vite fait, puis j'arrive. Ok. Ça marche. Tu m'appelles quand... Enfin, tu m'envoies un texto quand tu es sur le point d'arrivée, comme ça je descends et... Ouais, je pense que d'ici 20 minutes, une demi-heure, je suis là. Ok. Bah, merci d'aller... Xerox? Ouais, c'est moi, c'est ça. Ouais, j'étais pas sûr de ton pseudo. C'est parce que normalement c'est en anglais, mais bon. Ah oui. Ouais, mais moi, l'anglais... C'est Franck-Vich, quoi. Voilà. Tu sais, quand j'étais... Oh putain, une tortue. Quand j'étais à l'E3 à Los Angeles. Je vais te faire foutre. Il m'appelait Psy. Psy et Psycho. Psycho. Psy. Ah, ouais. Ouais, ah, c'est marrant. Bon, bah merci Xerox pour ta participation. Encore une fois, un grand merci à toi, notre hâte. Et à bientôt pour tes aventures.